toutes et à tous. Nous sommes les élèves de 5e année du cours de morale. Avec notre maîtresse, nous participons à un projet sur le climat et la protection de la planète. Nous avons choisi comme projet de diminuer les déchets de la cour de récréation en créant un carnet de recettes à faire à la maison afin de diminuer le nombre d'emballages dans les mallettes et de privilégier les boîtes à collation. Nous avons aussi décidé de mener une campagne sur l'alimentation et la lecture d'étiquettes de produits. Nous voilà donc devant vous pour vous parler de la pyramide alimentaire. Elle nous explique d'une manière simple qu'il faut boire beaucoup d'eau. Manger beaucoup de fruits et de légumes. Elle nous explique aussi qu'il faut consommer une portion de laitage et de viande. De varier les féculents. Mais surtout d'éviter de manger trop gras et trop sucré. Au cours de morale et de citoyenneté, nous avons également appris à lire les étiquettes alimentaires. C'est très important de savoir le faire, car aujourd'hui il y a de plus en plus d'additifs comme des colorants, des conservateurs dans les produits que nous consommons. Par exemple, nous avons appris que le Nutella contenait 54% de sucre, 20% d'huile de palme, qui n'est pas une bonne huile pour le corps si elle est consommée trop régulièrement. Malheureusement, on détruit de plus en plus de forêts où vivent de nombreuses espèces pour y planter des palmiers. Ah, j'allais oublier. Il est très important de faire de l'exercice plusieurs fois par semaine pour le bon fonctionnement de notre corps. L'idéal pour manger sainement est de savoir ce que nous mettons dans notre bouche en lisant les étiquettes alimentaires, mais surtout en cuisinant soi-même. Quand vous vous mettez au fourneau, privilégiez les produits frais et ceux dont les étiquettes alimentaires contiennent moins de 3 ingrédients. Nous avons fini. Nous espérons que vous avez apprécié notre exposé. Vous recevrez très bientôt un carnet de recettes. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à cuisiner avec vos parents. Et essayez de ne plus apporter de déchets à l'école. Demain, c'est... Boîte et gourde !